Nouvelle, mon ami, bienvenue. C'est sous TAC 609 ou connecté n'importe côté où y est. Depuis où c'est haïtien, ou doit compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. La police nationale prend gros disposition pour mettre fin à diverses activités criminelles qu'ap fait tribobabo dans le pays. Et passe code nan kout tout moun ki impliqué de près ou de loin là-dedans yo. PNH la fait face à gros difficultés, c'est ça yo fait qu'on est. Mais au commandant lui-même mette poil nan balance nan pour lutter contre criminalité qu'ap ronger société. Tout partout dans le pays, la police décrète la permanence, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour bailler réponse à tout ou la loi yo kap komet zak nan mitan population. Direction générale la police la mette en place des nouveaux stratégies de sécurité pour répondre à toute population. Directeur général la passe instruction CV à toute direction départementale, tout commissaire, commissariat ak sous-commissariat pour yo travail nan tête collée sans relâche pour kwape banditisme sous toute forme, si tout nan moment la côté bandit vraiment a fait actualité, comme ti proverbe Créole l'a dit, là où c'est toujours apta et banda tout un soleil pour qu'on lève. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, la police fait un gros coup de filet dans la commune Croix-des-Bouquets, dans une localité qui relève Nan-Rémi, dans la base qui relève 17 héros. M'pas caché dire, héros prend code. M'pral expliquer comment opération ça a été déroulé, combien moun yo prend dans la base là, combien d'armes la police arrivé, récupérer et non seulement ça tout, présenter au visage individu ça yo. N'a pas de chance faire un coup de pied dans la direction générale la police là, côté la police mette d'ailleurs yon note, côté yo déclaré alerte rouge sous tout territoire et tout policier convoqué pour yo reprendre poste yo. Pas de congé. Qui ça qui poussait? Eh bien, direction générale là, prend décision ça. Parce que alerte rouge rapide comme ça, eh bien, on pourra l'expliquer. Malgré diverses décisions à prendre en tête PNH là, bandit armé pas suspendre fait actualité. Mesdames, mademoiselles et messieurs, hier soir, un pile coup de balle chanté dans Martissant, Cité Soleil, ak un pile l'autre zone encore, dans capitale là, n'a pas entré dans ghetto yo pour nous connaître comment ça y est, qui ça qui était la cause coup de balle, t'as chanté comme ça. Haïti, pays spécial, ap mené nous dans Soje Bank, m'a fait au connaît, Haïti c'est seul pays où travail dit ou fait kobou, mais ou pas gagner la loi sous la jaune. Mesdames, mademoiselles et messieurs, malgré situation difficile, eh bien, Soje Bank lui-même mettait un méchant note dehors, côté le fait qu'on est à partir de 1000 dollars américains ou ap gagner pour payer un frais de 0,35% sous dépôt. Pour qui ça souple? Eh bien, moi pour l'expliquer. Moi invité ou aller tiches ba ou chita confortablement. Fou qu'on s'en mi info pa ou rentre la caillou. Moi pral ba ou tout tripotaï sa yo. Nan bon ti mamite. Bonjour, bonsoir tout moun. Comment nous y encore une autre fois, m'abdou merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer ou. Et merci pour fidélité ou ak patience ou. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait nous plaisir en pile en pile. Encore une autre fois, si vous tombez sur channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis Pao Foucault. Nous t'ai chance présenter un petit compte ailleurs qui c'est papa m'gayon zoezo. Liwe sauf la nuit liwe. Papa m'gayon zoezo sauf la nuit liwe. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté et réponse sans se friser ou bien coucou. Mesdames, mademoiselles et messieurs, un petit cri crac, nouveau compte que nous gagnons. Papa m'a gagné un petit choix, li pas hésiter, c'est le ni en haut, ni en bas. Pas hésiter à quitter l'élément de réponse là dans le commentaire là, ça fait nous plaisir, en pile en pile. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Jean Kente annoncé, eh bien la police lui-même fait un gros coup de filet. La police débarque dans base 17 héros, qui chita kol nan commune Croix-des-Bouquets. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, arrivé la police t'est arrivé nan base 17 héros, eh bien, 9 héros t'es pran code. Parmi héros sa yo, n'ap cité Jean Elancius Blanc. Nous gagnons encore Gérard Antoine, gagnons Davidson Tortue, gagnons Dumitri Clément Amos, gagnons Chameau Lui, gagnons Naïka Blanc, gagnons Jean Saint-Louis, gagnons Dina Derilus ak Vladimir Souffrant. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Bandi Sayo fait partie de yon gang qui relè 17 héros, yon spécialisé ou nan vol ak rale zam sou moun fouye moun. La police pat hésite rentre
rentrer dans base et arriver faire opération ça. 9 héros prend code. Qui côté reste 8 héros yo fait. Donc nous espérer si la police ca entrer dans base 17 héros li prend 9 héros, eh bien, c'est toujours quoi des bouquets? Continuez par se monter. Gardez-nous, avancez toujours. Continuez par se monter jusqu'à ce qu'on arrive dans la base 400. Parce que si vous commencez dans 17, ou prend 18, ou prend 19, ou prend 20, ou prend 100, ou prend 200, jusqu'à ce qu'on arrive dans la base 400 marozo pour capable arriver démanteler les gangs ça. Mais ça qui paraît un petit genre compliqué et ridicule dans dossier dans photo ça que la police publie comme moun qui fait partie yon gang yon association malfaiteur moun qui spécialisé dans vol ak rale zam sou moun. La police présente 9 héros dans base 17 héros mais nous pas wè yo présenté zam. Est-ce que reste qui rete yo c'est nan yo zam nan ye ou bien monsieur sa yo c'est tout yo t'a fait yo just prend yo et puis reste yo même gros complice yo quitté yo nan remi. Donc en ce sens nous espérer les la police a présenté monsieur dam yo faut que le présenté zam yo tout parce que ça important parce que majorité fois nous kontande on bandi rete le dou yo pral remettre zam le ou di al remettre zam nan le rive au garder zam yo remettre là on dit oh après on prend la police pour makak monsieur on pas qu'être vieux bout de deux yeux ceci tandis que gros amis ont été qu'on a présenté les offres show off là ou pas ouais youn mesdames mademoiselles et messieurs franchement poser tête moi question pour qui ça reprend nous donc ou qu'on garde ou après M30 M40 M50 y a fait jolé y a montré mais ça a gagné et puis qu'on y a pris le remède zam y remet 45 y remet 12 ça veut dire donc en ce sens c'est pour la police continuer cherchez toujours pour le ramasser, amis. Parce que, ou prend moun nou qui te zam, d'ailleurs, c'est toujours insécurité, à cap continuer, fait chemin. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, nous prenons aller dans la direction générale, la police, là. Côté, yo mette yon note, d'ailleurs, côté, yo déclaré alerte rouge sur tout territoire. Après, bandi, yo même te fin prend, alerte rouge par yo. Et mi kounya là, c'est la police qui prend alerte rouge par. Eh bien, tout policier convoqué et mandé pour yo reprendre portion côté yo affecté plus vite possible. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, commandant en chef là by Lord, seulement Kamala dit qui ka fait yon policier pas vin travail. Toujours congé annulé net. L'autre bagay, mesdames, mademoiselles et messieurs, gen yon concours qui pral organisé jusqu'à 2 juillet 2021 pour yon nouvelle entrée dans l'Académie nationale là, la police ANP. Eh bien, nouveau promotion élève commissaire yon kapral renforcer cadre, kap réfléchi et puis pour diriger institution. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, note ça la police mette léon, c'est parce que nan moment là où qu'on ait plusieurs attaques qu'a fait bandi pas suspend fait actualité et bien on mande tout policier ak tout policière pour yo capable reprendre posture rapidement yo façon pour yo capable rete pour protéger population et protéger bien yo comme nous connaît nan moment là en pile attaque qu'a fait nèg di yo pral déchouquer donc la police li même la préparer davantage et bien dans jour qui t'est passé comme nous connaît te gagne un total de 24 policiers soit ensemble avec garde côte qui te quitté pays d'Haïti qui t'a allé aux États-Unis après ça pour te traverser Guyane pour que t'al prend formation. Et bien première information te fait quoi que monsieur ça yo t'a décidé échapper pour yo tout lagué pied. Et bien mesdames mademoiselles et messieurs dans une conférence pour la presse Marie-Michel Véré qui c'est porte-parole la police là t'a gain chance by explication sous ça. Côté le déclarer c'est parce que les arrivé aux États-Unis et bien gain un policier ça qui t'a testé positif donc yo obligé annuler formation. Moi invité ou tandel qui t'a bail plus détails sous fait ça et non seulement ça tout porter plus précision sous dossier alerte rouge qui déclaré dans direction générale la police là. Situation panique qui te sous aéroport dans jour qui était 14 juin 2021. Dans jour 14 juin 2021, t'ai un groupe individu armé qui t'a décidé si mes panique sous aéroport là. Nèg sa yo te avec zam nan men yo, y ap tiri tribo et pa bon, yo te soti depuis nan Delma 2, monte nan Delma 3, y ap bay panique et yo te atterri sou route aéroport. Côté yo te continue tire et attaque business moun. Te gen an pile kouri sou route aéroport. Yon fois la police te informé nan toute zone sa yo te déployé.
Et sur route aéroport, il y a plusieurs unités dans la police là qui étaient intervenues. Côté que ils ont placé des blindés dans des points stratégiques et ils ont repoussé l'attaque Monsieur Sayo. Et tout le monde qui était dans le business, yo, qui a circulé, ils ont permis de continuer avec l'activité. Et la circulation a repris à la normale quelques temps après. Et pour jusqu'on y a, tout le monde très bien sur route aéroport là. Et dans plusieurs autres zones côté panique tapsime. En termes de disposition que la police prend pour, par rapport à certaines zones, la police a continué à renforcer la présence dans quelques axes, surtout Martissant, Douillard, Saint-Joseph. Et dans l'autre zone encore, la police a continué à renforcer la présence. Il y a une disposition qu'elle prend pour renforcer la sécurité dans tout bâtiment de police. Côté nègre, exam, sans foi ni loi, comprendre pour attaquer Bazaï. Il y a des dispositions qu'on prend pour renforcer la sécurité dans Bazaï. Par rapport à l'état d'alerte maximum, suite à plusieurs actes qui ont enregistré pendant les dernières semaines dans plusieurs zones, le commandement a décidé de placer PNH là en état d'alerte maximal. Dans tout département, yo, PNH là placé en état d'alerte maximal. Mes décisions qui prennent. Tout policier a l'ordre pour rentrer dans le poste d'affectation. Quel que soit policier ou l'ordre, ou rentrer dans le poste côté où tu es au travail. Là. Tout congé annulé. Sauf policier qui n'a rubrique malade. Et service qui concerne dans PNH là. Déjà qu'on est tout policier qui placé dans rubrique ça qui c'est rubrique malade là, il tout policier que yo gè sous compte yo que c'est pas policier, policier ça ou pas capable travail. Service qui concerné qu'on est tout policier qui pas capable travail parce qu'il y a liste. Présence dans la rue pour le renforcer. Pour le déploiement policier qui a fait sous toute grand action. Check routine pour le continuer. Gen l'autre disposition qu'a prend la presse pour l'informer. Très bientôt. Voyage d'études. Dans le jour qui était 11 juin 2021, il y a un groupe policier, SWAT, avec garde-côte, qui était pour aller suivre une formation dans Guyane. Il est arrivé dans Floride, il y a un test COVID qui a demandé pour le groupe policier ça a subi. Parmi les policiers, il y a trois qui ont testé positif à COVID-19. Décision te prend pour annuler le voyage. Tout policier sa yo te placé en quarantaine. Pour qu'il y a, il y a 5 policiers qui déjà retourné en Haïti. Il y a 3 qui prend soin que kayo mérité. Il y a quelques autres que la police pour qu'on recevoir dans le pays. Pour qu'on retourne dans le pays. On a profité attirer attention tout policier que ou recommande ba fait effort pour ba formation continue à tout policier soit dans pays d'Haïti ou bien à l'étranger. Yo même faut que yo comprenne ça ou commandement à faire c'est pour capable améliorer façon la police la travaille sur tout point que les policiers ou fin pour formation rien pour devoir pour vin ba contribution ou ça ou t'es supposé faire que l'État a déjà payé ou l'État bon formation, alors que pour obligation pour venir continuer à bailler service ou dans le pays. Donc, on a invité tous les policiers pour avoir un comportement responsable, parce que la population a compté sur nous. Ils connaissent, nous là pour bailler la sécurité, nous toucher pour ça, on nous bailler contribution par nous. Gen l'autre qui a 26 ans là, qui a bailler contribution. On nous continue à bailler contribution, parce que la population a compté sur nous. Et il y a un concours commissaire qui va le lancer. C'est dans la date 2 juillet 2021. Dans l'idée pour renforcer le commandement, vous prenez une décision pour vous faire une autre cohorte commissaire. Bientôt, vous allez avoir une classe commissaire qui va rentrer dans l'académie. Condition pour les policiers participer dans le concours commissaire, ça, il faut qu'il y ait un grade inspecteur divisionnaire, femme ou garçon. Faut qu'on pas gain aucun dossier qui l'ouvre dans l'inspection générale. Ça veut dire faut que l'inspection générale pas traiter dossier pour dans moment ça. Et faut pas gain aucune sanction dans moment ça
que ou même ou sous lit. Ça veut dire faut pas gagne décision qui saute prend que ou même ou pas fin purger. Alors nous mandé tout policier qui gagne grade inspecteur divisionnaire ou capable participer dans concours ça à partir de 2 juillet une fois que ou pas gagne dossier dans inspection générale ou bien ou pas sous sanction. Voilà, mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est comme ça, situation et alerte rouge tout côté. Donc, en ce sens, rete peuple là pour yon passer l'on alerte rouge pour yon faire le fond poser. Parce que franchement, ma ka comprendre, yon la guette a digest pour bandi, bandi pi a fait pirette, mais kounya la police nan alerte rouge, c'est quoi l'histoire? Donc, c'est sauf si yon malade pour yon pas le travail. Ça, tout petit monsieur, dégagez nous, mettez nous sous des pieds, nous te compte pour qui ça n'entre dans la police, c'est pas pour bel garçon, c'est pas pour faire poster. Mais c'est pour nous travailler. Travail pour l'argent, nous, parce que c'est nous qui t'ai dit, nous prenons engagement pour nous protéger avec ses vies. Eh bien, prenons responsabilité, nous, pour tout bon. Mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, j'ai que nous t'ai annoncé, on a eu chance de faire un coup de pied dans le ghetto pour nous connaître ce qui a passé. Eh bien, hier soir là, Iska, Mathias, Mikano, Gabriel, sorti pour yote fini ensemble avec Cité Soleil. Empêche moun dormi tellement coup de balle chanté. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, malheureux, honnête, pas qu'à vivre Cité Soleil, Delma, Debel, les villages, Tibois, Grand Ravine, etc. Monsieur sorti pour fini ensemble avec Zonza. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, l'autre information hier, en pile coup de balle chanté dans Matissan, ça passé après Lobo qui t'est pété en Tibois, Grand Ravine, avec village de Dieu, eh bien, chef Tibois lui-même retourné yon l'autre fois encore pour venir reprendre territoire que le t'est perdu. Eh bien, situation ça qui la cause en pile coup de balle chanté dans zone ça. Et jusqu'à présent, m'a fait ou qu'on est moun qui habite dans zone ça, peuple a été obligé déloger, courir en babal à le réfugier. Et jusqu'à présent, mesdames, mademoiselles et messieurs, dans situation à vivre là, m'pas caché d'où, li vraiment critique. Mais, monsieur, même, continue à faire, la pluie et les beaux temps, tandis que la police lui-même, la plague à l'être rouge, et non seulement ça tout, l'une base 17 euros, c'est euros la prankounia, donc nous espérons le river dans base 400 maroso, parce que, faut que nous suspendons avec dossier bandit, matin, midi, soir, balap chanter dans la coupe Port-au-Prince. Yon le, mes amis, faut qu'Abraham capable dit, c'est assez. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Jean Kenté annoncé, eh bien, messieurs, dames, yon gèle son complot yon fait pour yon touye nous toutes. Oui, son complot yon fait pour yon touye nous toutes, parce que, nous continuons musique ça, Soje Bank, toujours bon côté ou mes amis. Soje Bank, toujours bon côté ou, Soje Bank, tant que banque ici gen audace. Ou alors la même, comment papa BNC a dit encore? Faisons la Unibank ou Unibank, faisons la route ensemble. Qui route? Qui ensemble? A qui pep? Mesdames, mademoiselles et messieurs, moun yo prend sa, yo prend temps pour yo passer nous nan bagay la. Nous pas besoin citer non. Franchement, parce que imaginons ou fin travail, ou gen l'argent dans pays, ou pas gen la loi sous li. Imaginons ou redi di ou al travail ou met l'argent ou la banque. Yo limité ou là-dedans, gon quantité ou doit retirer. Journée jodi a wal combien moun ki ka aller retirer 1500 dollars américains là-bas. Quand on pral passer, y a tellement mande papier franchement. On dirait l'autre a vinn déposer comme là c'est volonté voler comme l'autre vinn ba yo. Après ça yo vinn camp encore. Yo tellement fait style yo pa vle bon l'argent encore. Tellement situation vinn compliqué. Oh, ou pa gen droit prendre pa jam gen dollars. Pa jam gen dollars. Donc, je ne j'ai dit à qui valen, moun ka prale ling, mais longue, depuis matin qui prale retire un petit cob, tandis que c'est moi-même qui a déposé l'argent encore. M'pas qu'à comprendre mal mette l'argent, l'aime tal mette la pas de jam gué explication, koum prale retire la nous tellement posé une question, franchement, volé gué t'en cible m'de yo. Depuis 97, nous te font ti banque pour 5 moun, et bien, je ne j'ai dit à gué 300 moun, yo toujours kebe même espace là. Toujours gon sel grand moun k'ap servi. Yo pa élargi cadre là non. Ça veut dire yon façon pour nous toujours passer misère, yon façon pour nous toujours prendre ligne boule dans soleil faire voler suivre nous. Et en dedans encore qu'on a le bon cob, on va arriver d'ailleurs yo getan ciblo yo prend. Et bien mesdames, mademoiselles et messieurs, Soje Bank fait connait. D'après on note li publié,
li déclaré à partir de 1000 dollars ou ap déposé au frais de 0.35%. Malgré tout ça on prend oui, ça pacifie et bien on décide augmenter bagay la parce que senti son source. Nous gen cob bagay la facile nan men nou. Donc message la clair, c'est al retirer l'argent nous la banque, prend cob nou bay moun la paix. Si man al mettre l'argent la banque parce que l'on al mettre l'argent la banque, monsieur ça yo prend l'argent encore. Yo al brasser ensemble avec yo font paquet l'argent sous li, c'est pour si bagay et mon pourcentage ap mettre sous cob. L'on prend prend comme là encore ou ciblé. Mesdames, mademoiselles et messieurs, comment comprendre pour nos pays pour prendre combien cob et 50,000 goud la banque, l'op sorti dans banque là qu'en en bas d'ailleurs, pour venir en haut, pour venir en bas. Pour sort prendre 500 dollars la banque ou tellement suspect franchement. Et ceci parfois, nous qu'on ça qu'on arrive ou qu'on sort prendre l'argent la banque, l'on arrive d'ailleurs à mettre li dou mec, mais tant on sort prendre pour bailli. Comment t'es qu'à comprendre pour kidnapping n'a fait nos pays, pas gain dollars, pas gain dollars. Mais courir venir en banque là ou elle en moi yo kidnapper mon nous faut joindre l'argent vous joindre pile comme en dollars pour porter dans base pour que yo capable libérer mon. Mais c'est quoi l'histoire? Donc moi pense c'est ça yo nous supposer mes amis manifester pour yo pour ça changer. Manifester pour président aller matin midi soir, c'est pas président seulement corrompu dans pays ya, c'est toute institution, c'est toute bagaille net qui met ensemble pour fini garder ya bride sous cou vous pas gain gaz non pays. C'est quoi l'histoire? Est-ce que nous capable fonctionner comme ça? Tout mon a fait complot dans clan ba yo. Donc et puis nous rete là ah moi c'est le président pas gè problème voyez président aller jodi problème yo là pour pirede si voyez aller t'ap résoudre problème pays d'Haïti jounen jodi a nous pas t'ap tomber dans PHTK nous te ka gon l'autre mais pas PHTK. Donc en ce sens c'est tout bagay ça yo nous supposé mettre sous table là pour nous planifier est-ce que n'a fait pays vrai parce qu'on bok choisi sorti notre livre vous pidou 35% la prend. Souvle, et souvle, oui. Et ceci, ou gen l'argent ou encore nan bank la ou y a fait style sou. Ou même gen kob la ou y a fait style sou. Kounya est souvle. Donc, à partir de 1000 dollars, 35%. C'est dit, di nous fout kembe l'argent nou la kay nou. Pas un merde de santé. Donc, en ce sens, qui ça n'a fait? Et ceci n'a marché n'a pas petit kob la normalement. Donc, comme yo, nan même notre sa, yo déclaré que y a gen pou bay plus de taille, plus explication pour qui ça? Nous pas, kembe l'argent nou la kay nou m'pale nou frères et sœurs et kembe l'argent nou la kay nou parce que monsieur pa ka fon complot comme ça pou yo fin avec on paye pou yo fin avec nous toutes. Lè yo pran dola ou tande yo passe yo mette nan to yo vle yo vann ni pri yo vle et bien jounen jodi a c'est l'argent qui te gato ou ap jwenn dola cash et bien chaque 1000 dola pral mette 0.35% lò multiplie tout 0.35% sa yo. À quantité mille ou pral mette, quantité moun ki pral mette l'argent nan banque, laisse savoir pour qui valait l'argent ça pral fait. Parce que, en pile nan nous toujours dit, 35% pa yon. Et t'es vrai, c'est chaque centime qui contribue nan 1000 dollars. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, calé genou, j'en ai à tout fait ça ou, j'en ai banque ça ou kap tout pisinois, mes amis. Fuck que population li même li révolte. Ça, m'a toujours dit, nous faut que nous révolte pour ça ou, parce que la vie chez a pas douce. J'en banque yon a tout pisinois, matin, midi, soir, li pas douce. C'est pas seulement chita di nous pas dans cohabitation nous pas dans élection nous pas dans dis nous pas dans date tandis que son haïtien pareil nous cap diriger mais moun sa yo mes amis faut que nous passer au de trois tapes pour nous faire prendre mais pour nous faire comprendre que gen moun cap vivre dans pays yo pas qu'à choisir à fond pays passer misé comme ça. Mesdames, mademoiselles et messieurs, information pas fini là. Qu'on y a là, n'a pas entré dans ça qui concernait la santé. Eh bien, ministère agriculture et communication rappelait que a gen sanction qu'après contre toute activité qu'il tirait avec rassemblement. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, depuis les deux nouveaux variants, ça y est, pour l'autre, dans le pays d'Haïti, eh bien, pas caché d'y en pile gros zouzoun, fait voile pour pays sans chapeau. Donc, ministère culture et communication fait rappel ça, mes amis, tant pris souple, camper ensemble avec toute activité culturelle yon façon pour nous capable protéger tête nous parce que situation difficile n'a fait un coup de pied kounya dans site pays dans troisième ville. Eh bien mesdames, mademoiselles et messieurs, non seulement yon semaine déjà gè passé yon douzaine moun ki mouri ak environ 120 moun ki confirmé positif nan de nouveaux variants qui débarquait dans le pays d'Haïti. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, troisième ville pays a vraiment à ravager qui c'est département sud là avec coronavirus. Eh bien, situation ça et qui était en pile autorité sanitaire. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'pap jam hésiter dire lavez mains, prend précaution, respectez distance sociale là parce que précaution pas capon parce que jam maladie ça a gaillé à là franchement, m'a envie à voler
nous pas qu'on mal, nous pas qu'on femelle. Eh bien, mesdames, mademoiselles et messieurs, d'après autorité sanitaire dans Sidio, yo confirmé que gen 10 moun qui mouri, et non seulement ça tout, genye yon total de 460 moun qui diagnostiqué, genye plus passé 100 là dans yo qui testé positif, ça c'est seulement dans sud là et pas oublier dans l'ouest là li même celle qui pote gros loa sans compter dans nos pays. Donc toujours prendre précaution parce que précaution pas capo. N'a fait place à Voix de l'Amérique pour les informations nationales et internationales yo. N'a tourné dans un petit temps qui pas trop long. Rendez-vous info, yon programme en Cap Vinjeno depuis Washington DC en langue créole haïtien. Donc nous dit tout le monde bienvenue dans développement actualité. Une actualité comme d'habitude qui a branché entre autres sur Haïti et les États-Unis. D'abord, dans le pays d'Haïti, pour nous parler politique, le président Jovenel Moïse reconduit le premier ministre AIA, Dr. Claude Joseph, ou bien renouvelé mandat et premier ministre AIA, Claude Joseph, mais cette fois-ci pour une période indéterminée, il y a déjà une réaction qui tombait sous décision que le président et Jovenel Moïse prend concernant Premier ministre AIA. Et puis dans la capitale là Port-au-Prince toujours c'est une capitale qui vive toujours dans situation tension après ça qui passé pendant week-end là et ça qui passé encore hier côté gang armé continue à simer l'intérêt dans pays là pendant ce temps monde capable vivre dans la capitale là capable voir que gagner il y a une rareté de produits pétroliers ou bien plus précisément gasoline parce que machine qui doit aller faire livraison gagne difficulté parce que gagne plusieurs routes c'est gang armé qui est à contrôler et pendant ce temps en pile monde qui dans zone de non droit et en pile monde qui obligé quitter la caillou caler par exemple dans santé sportive Kafoua et caler dans l'autre zone qui obligé quitter Belè tout ça fait une situation tension confusionnelle dans capitale là et yon reportage correspondant à Port-au-Prince Machado Vilme. Pays d'Haïti, ces actes violence qui a répété souvent dans quartier populaire qui paraitait sans conséquence sur la vie sociale et économique population haïtienne nan. Côté gros conflit qui éclaté dans mitan groupe civil armé dans entre sud capitale pays la cause déjà pour pipiti yon millier moun parmi yon 250 ti moun qui était la caillou depuis plusieurs semaines. Il y a une situation qui gagne un impact tout sur plusieurs stations gaz qui obligeraient de fermer à cause distribution produit si là qui pas qu'arrivé fait en bas vague insécurité qu'a prégné dans notre site capital là. Qui donc, citoyens doivent monter, yon m'a suivi pour joindre produit si là. Il y a une conséquence, citoyens département NIP, SID, SIDES et Grandance PIA de Absibitou à cause rentrée Port-au-Prince 4 département si là yo qui jusqu'à présent était bloqué. En bas commune Delma, Belè, récent matin, pour ne citer ça ou seulement qui trouvait au nom direction nord capitale PIA, c'est plus passé 1700 moun qui déjà sauvé quitter la caillou en bas bal confrontation bandi qui a évolué dans zone silayo. Dans une conférence chef police nationale PIA te bay non jou passé yo, monsieur Léon Charles te fait connaître c'est plus passé 20 groupes gang qui a régné dans région métropolitaine là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour la Voix d'Amérique. Merci Massiado Vilme. Donc c'est que sa situation est dans la capitale là et Port-au-Prince gan pile moun qui a posé question qui dit que la police fait connait que yo contrôler quelques zones, yo reprend quelques zones, yo mette la paix dans zone par exemple aéroport Delma mais yo mandé gen moun qui a posé question tout pour qui ça que même efficacité ça yo pas capable wel dans zone Matissan côté yo dit tout moun c'est monde. Pendant ce temps, dans la même journée hier, donc, bandit, t'es visité local Réseau National Défense Droit Monde, RNDDH, qui gagne en tête li comme directeur exécutif Pierre Espérance. Pierre Espérance lui-même dans micro et devant caméra correspondant à Port-au-Prince, que dans Toussaint, dénoncer une persécution politique, lui dit que l'a subi depuis quelque temps. Pierre Espérance. Le 6, chef G9, la fond déclaration, il dit, il a marché sous moi, il a marché sous RNDDH. Week-end qui se passe, alors, dimanche, 13 juin, nous avons une bonne chance d'information côté que G9, à travers Craché Diffé, il a été planifié pour faire une attaque dans la capitale. Il a été planifié, la police est connue, il a allé y arriver. Il a été planifié qu'il a été venu dans la RNDDH, la police est connue, nous avons parlé avec la police, il a venu hier, jour lundi 14 juin 2021. Il y a une douzaine de policiers qui étaient et
et première rivière rivière deuxième rivière rivière parce que on est nous en mitan deux rues et devant bureau et bon moment qui et pendant notre coordonné avec la police bon moment il y a cinq et là-dedans motocyclette qui vient frapper bureau avec ça dans main alors les bureau barrière et la police des machines la police rivé et les rivé par arrestation yo getan allez et nous capable dit dans sens ça comme nous-mêmes nous connaît c'est celle force publique la police c'est celle force publique qui existait et la pays a pour nous-mêmes les nouveaux problèmes ça avec yo nous adresser nous t'ai adressé avec la police là et yo vini yo kembe contact avec nous et c'est la police là qui pour sécuriser local RNDDH c'est lui même qui pour sécuriser pays a même les nous connaît un mauvais élément dans la police là même les nous connaît tout policiers yo en bas insécurité à tout et gang G9 attaqué yo boulé yo et déjà il y a 32 policiers qui mouri et dans 6 premiers mois année 2021 c'est parce que n'a dénoncé violation systématique droit monde n'a dénoncé impunité d'état ça qui gagne dans pays a n'a dénoncé alliance qui fait entre gang yo avec pouvoir et victime yo nous toujours accompagner yo gien 12 massacres qui fait sorti 2018 pour journée aujourd'hui tout 12 massacres ça documenté et déjà gien 10 plaintes qui porté et pouvoir connaît que nous gagne capacité pour nous faire documentation et pour nous dénoncer des rivio et crime qu'a fait sous population aujourd'hui massacre violation systématique droit moun yo c'est des crimes contre l'humanité pas une prescription sur yo moun qui fait ça ka poursuivre à n'importe qui moment. Donc c'était Pierre Espérance, directeur exécutif RNDDH réseau national défense droit moun qui na micro était la micro et devant caméra correspondant nous dans Port-au-Prince Renan Toussaint côté que monsieur Espérance dit que l'a subi yon persécution politique et ta koun de dil nan avant ça te gagné yon groupe nèg armé qui te et visité local là qui te passé bon local là qui te même frappé barrière local RNDDH là nan Port-au-Prince et Haïti toujours l'autre point cap dominé actualité a pandémie coronavirus là continue à provoquer gros caisse sauté nan pays a surtout avec paquet nouveau cas que ministère santé publique recensé plutôt dans moment gouvernement a paré pour le prolonger état d'urgence sanitaire là. Yon reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Ministère santé publique et population publié avis numéro 401 qui gen pour ak jan et statistiques sur coronavirus là augmenté en dans avis ça MSPP fait connait gen 205 nouveaux moun qui gen maladie ak 3 cas en mort li enregistré pour date 9 juin qui saute passé dernier chiffre ça yo qui publié vin ajouter sur ça qui était là déjà yo vin bail un total 16561 cas confirmés 2589 moun passé l'hôpital, 355 moun mouri, 12563 moun traité, si nous croyons bilan MSPP. Dans 205 nouveaux cas, département l'Ouest, il y a 144 la donne. Tout trois l'an moyo, c'est dans le département ça, yo enregistré tout. Face à que monte kayo sous territoire, MSPP conseille population, mettez masse ou bien cachenez, lavez main, pas bay la main, pas beau, pas bay accolade, le wap sali moun. Bay 3 pas distance. Gouvernement haïtien, bon côté pal, gen intention renouveler état hygiène sanitaire en raison augmentation cas COVID-19 dans le pays. Selon ça, secrétaire d'État à communication, France Exantus annoncé. Pendant temps ça, gen divers timachan qui toujours pile sous pile dans la rue, dans marché public tout, malgré état d'urgence sanitaire interdit situation ça. Secrétaire d'État communication, yon l'autre côté, salue courage quelques institutions public et privé qui mettait un point pour nous laver main et exiger yo porter masque tant que personnel yo à client yo. Secrétaire d'État communication fait appel à vigilance et puis respect mesi barrière yo dans l'idée pour l'État haïtien capable freiner pandémie COVID-19 là puisque deuxième vague COVID-19 là a fait rage dans pays d'Haïti, gouvernement haïtien semblait déterminé pour empêcher virus là
continuer propager dans prison yo côté condition détention yo pas fin kodjom dans sans sa gon réunion qui fait lundi entre premier ministre Ayen ak ministre concerné yo sous question annonce sa fait à travers un communiqué qui sorti dans bureau communication primati docteur Claude Joseph réuni dans matin par visioconférence avec ministre santé publique là ministre justice directeur administration pénitentiaire nationale sous situation santé dans centre carcéral yo en pays selon ça nous capable dans un document en attendant situation ça résoudre état urgence gouvernement te décrété a semblé pas gagner trop grande influence sur évolution pandémie. Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, ou toujours sur la Voix de l'Amérique qui permet depuis Washington DC. N'a pas été toujours dans le même dossier, côté que nous pourrons recevoir dans un petit moment, docteur Reginald Boulos, un spécialiste dans la santé publique, pour nous parler de COVID-19. Mais en attendant, nous disons, grand monde pas joué, mettre COVID, attention, pas capon, masse moins, protégez-vous, masse protégez. Ou toujours sur la Voix de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Moi, c'est Jacqueline Bélizère. Rendez-vous Info. C'est un programme qui passait sorti lundi pour arriver vendredi. T'as qu'on t'a annoncé, n'a prêté toujours dans le domaine pandémie, coronavirus là, surtout dans le pays d'Haïti et n'a pas accueilli docteur Reginald Boulos, qui sont hommes d'affaires, leader politique, MTV, et, mais n'a pas accueilli Jodia Pito, spécialiste en santé publique là. Docteur Boulos, c'est toujours un plaisir pour n'accueillir sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir Jacqueline, m'a salué toute auditrice, tout auditeur La Voix de l'Amérique. C'est toujours un plaisir pour moi pour m'intervenir et je dis à titre de médecin spécifique, donc à la Ronde Badet, bonsoir. Et docteur Boulos, rapidement, est-ce qu'on a aidé nous, aider les téléspectateurs, faisons état des lieux sous question pandémie coronavirus là, dans le pays d'Haïti? Bon, ma PC est faible, mais il faut dire que lorsque les chiffres sont pas là, c'est difficile pour un spécialiste de santé publique opiner de manière objective. Et en général, en Haïti, je dis, en majorité, nous avons pile cas coronavirus, nous pas un chiffre réel, parce que nous sommes certains que chiffres que santé publique baille, ils sont très limités, vu que pour des raisons que jusqu'à présent ne pas comprendre. Et santé publique refusait faire structure de dépistage que nous demandait depuis l'année dernière. Jacqueline Wap vit Washington, on est que, ou aller dans n'importe qui CVS, ou aller dans n'importe qui pharmacie, ou aller dans n'importe qui coin la rue, et vous avez des côtés à faire test pour vous, en l'espace de 2 minutes, vous font test pour vous, vous n'y essayez pas, vous prenez un Q-tiplo passé dans le néon, vous faites test pour vous. Une heure de temps après, au bon résultat test, nous n'avons pas jamais mis ça en place dans ce petit pays d'Haïti. Donc, quelque part, l'état des lieux, c'est de dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de cas de coronavirus dans le monde que nous connaissons, que ce soit dans l'élite là, ou bien dans la classe moyenne. Là. Nous tendons des gens qui mourent. Regardez dans l'ONA, les deux cas les plus importants sont morts de coronavirus. Mais est-ce que dans le peuple là, nous connaissons ça qui a passé vraiment? C'est très difficile. Donc, allons dire qu'aujourd'hui, il y a une vague sauvage de morbidité et de mortalité due au COVID-19. Quels sont les chiffres? Eh bien, probablement qu'on ne saura jamais parce qu'on n'a pas en place ici une structure qui permet réellement de comprendre, de compter, d'analyser ce qui a passé dans le pays. Et docteur Boulos, à la décharge du gouvernement, est-ce que c'est parce que y a pas gagné le savoir-faire ou bien c'est parce que y a gagné et son structure qui est très limitée qui fait que y a pas fait ça ou t'as dû faire? Moi, je pense que ce sont des mauvais choix de stratégie. Pas oublier que moi t'ai parlé l'année dernière, en mars 2020, t'ai fait plusieurs grandes interviews sur toutes les radios nationales d'Haïti et c'est moi qui t'ai venu avec l'idée, commission multisectorielle là, pour te bailler charge, responsabilité, mener et la bataille. Je dis en Allemagne, son institut que le gouvernement allemand te bailler leadership pour mener une bataille contre le coronavirus là. Et il a réussi. Il a créé la commission ça, il a pas jamais bas le pouvoir, ou pas jamais de parler de lui encore. Donc, et la stratégie du gouvernement a été une stratégie de ne rien faire.
60 millions de dollars américains dépensés l'année dernière. Il n'y a pas jamais dit qui s'est acheté. Nous connaissons que y a commandé 30 respirateurs artificiels, alors que l'année dernière, nous t'ai proposé un investi comme ça dans renforcement. L'année dernière, nous t'ai dit de faire 4 bagailles. On mettait dépistage dans tout centre de santé et tout l'hôpital, que privé que public à travers le pays. Deux, on distribuait masse pour toute population. On nous rend et possibilité de sanitaire disponible à travers le pays. Et quatrièmement, faire une grande campagne de mobilisation. Bon, on a dit que nous n'avons pas fait à l'époque confinement. Haïti n'a pas fait le confinement. Le fait que l'année dernière, heureusement, alors je dis aujourd'hui, heureusement et malheureusement, le fait que l'année dernière, nous avons gagné une variante qui n'est pas aussi méchant que ça nous gagne aujourd'hui, nous venons développer une attitude, nous pas quoi dans le coronavirus. Et puis subitement, une variante anglaise, une variante brésilienne qui est entrée dans le pays, et nous prenons d'assaut, nous pas de parer, parce que, ouais, Jacqueline, si on investi comme ça dans le renforcement de la structure sanitaire, de même parler de 2 millions de dollars par hôpital départemental, de parler de 250 000 dollars par centre de santé avec lui dans la commune qui a plus que 50 000 habitants, de parler de 100 000 dollars dans les centres de santé des communes qui ont moins de 50 000 habitants, je dis à une structure santé qui t'a permis nous réussir une bataille parce que nous n'avons pas la capacité de traiter les patients aujourd'hui, nous n'avons même pas la capacité de dépister en PCR ou en traitement antigène, de dépister à travers le pays. Donc, nous ne savons pas qui quantité de monde qui a mouru, ni qui quantité de monde qui a COVID-19. Donc, je crois, pour répondre à la question là, c'est une mauvaise stratégie. Le gouvernement a monopolisé lui-même gestion COVID-19 là. Peut-être que, pas qu'on est, c'est dans le même esprit corruption, leur dépenser comme et référendum ou l'autre comme, mais il y a 60 millions de dollars l'année dernière dans le budget. Qui, mauvaise stratégie, mauvais choix, le résultat est là, le rendement est zéro. Et docteur Boulos, il y a deux bagailles. Le fait que, premièrement, l'organe, il y a de grands noms dans la commission scientifique, par exemple, docteur Max, docteur Pape, c'est un grand nom. Et leur dit zéro tout, et d'après nouvelles qui viennent joindre, t'as semblé que au niveau, par exemple, oxygène, tandis que, gant pile l'hôpital qui pas de gain, qui a été un problème qu'on y a pas vraiment, et gain problème ça y a. Donc, t'as semblé que le pas totalement zéro, mais ça fait tout avec de personnalités qui dans la commission scientifique là, qui t'a des noms, qui t'a doué bah, résultat. La commission était bien formée. Mm-hmm. On a, y a pas bail commission autonomie. Mm-hmm. Parce que l'on font commission comme ça, ou bal budget et pour qui elle fait décision. Mm-hmm. Or, les décisions sont prises d'abord sans transparence. Nous-mêmes, dit population, nous pas même qu'on qui travaille commission en fait. Commission presque pas parler avec peuple là. Et donc quelque part, nous pas qu'à bah une note totale. C'est vrai, t'es gros problème oxygène et quelque part gros problème oxygène quand qu'on gros problème de cas aujourd'hui. Parce que l'État t'est pris sous lit pour refuser des vaccins il y a 3 mois de ça. Au courant de ça, Jacques. Mm-hmm. Lorsque OMS t'est proposé une quantité de vaccins, AstraZeneca, qui est le vaccin le plus utilisé dans le monde entier, 169 pays, je dis à AstraZeneca, voisins. Mais qu'avec des interrogations quand même. Non, écoutez, pas d'interrogation. Écoute, nous sommes des scientifiques. Nous sommes des scientifiques et l'homme garde le taux de thrombose ou de formation de caillots qui est 1 pour 100 000, alors que les femmes qui prennent des contraceptifs lient 1 pour 10 000, il y a plus de risques dans le contraceptif là, de formation de caillots que gagné dans le vaccin. Mais ce n'est jamais le cas. Ce qu'on regarde, c'est pas ce qu'il faut. Il faut regarder le côté bénéfice et risque. Vous imaginez la quantité de vie qui t'a qu'à protéger si nous t'es distribué vaccin, hein, même lorsque nous t'a gagné et quelques cas de formation de caillots, mm-hmm, qui facilement, très facilement, y'a qu'à traiter. Donc, aujourd'hui,
voilà qu'on va donner le vaccin, mais on crée une psychose de vaccin qu'a le peuple là, qui ne peut pas le prendre encore. Mm-hmm. Elle dit, ouais, aux États-Unis, on a 25% de population qui ne peut pas le prendre vaccin. Je dis à la, je pense qu'on parle un grand pourcentage de population, parce que nous avons nous-mêmes, par le manque de dissémination de bonnes informations, nous créons une psychose vaccin, et je dis à la, librement, un grand effort de communication, et malgré tout, pas certain, parce que quelque part, la population haïtienne n'a déjà été réticente, l'envie augmente parce qu'on n'a pas de bonnes informations, le comité scientifique n'a jamais fait une présentation à la population haïtienne, la commission multisectorielle pas jamais dit qui ça a fait, même pas dans ma palavre, voilà, là, Jacqueline. T'as des vaccins en Haïti, par contre, qui vaccin gagne, par contre, qui le a commencé, par contre, comment est-ce qu'il va le bailler. L'absence de transparence est le plus grand problème aujourd'hui dans la gestion de COVID-19 en Haïti. Et docteur Woulos, nous devons être interviewé là parce que l'heure a fermé la guerre, même besoin de 30 secondes d'amont. Et nous connaissons que Delma tête en bas, et Delma tête en bas, nous connaissons que M. Gangyo a frappé du, ou même en tant qu'homme d'affaires qui gagne un business dans la zone, et à qui un sentiment est. Bon, sentiment, même Jean, même sentiment de gagné, l'homme de fait lettre pour le secteur privé, le matissant est apprasé matissant. Mm-hmm. C'est-à-dire que je dis à la hier, ça fait bruit, parce que c'est sous route à l'aéroport, mais la réalité, c'est que MTV Haïti et Reginald Boulos a dénoncé le problème gang ça depuis plus d'un an, et ce qui s'est passé à Matissan, ce qui s'est passé au Bel Air, les massacres de la Saline, du Pont Rouge, les massacres répétés du Bel Air, ce pas des choses nouvelles, ce sont des choses qui sont documentées par les organisations internationales et les organismes de droits humains en Haïti, et NDDH, FJKL dénoncent. Les auteurs intellectuels Merci. Sont connus, les auteurs physiques sont connus. Merci, docteur Boulos. Merci, Jacqueline, à bientôt. Oui, c'est un plaisir. Et docteur Reginald Boulos, c'est un spécialiste en santé publique et c'est un homme d'affaires. Nous connaissons qui est de MTV. Et rapidement, nous pourrons passer dans l'actualité internationale. Le président Joe Biden arrive dans le pays la Suisse. Et avant que l'IAL fait sommet américano-russe avec le président Vladimir Poutine, Jean-Aubert Philippe a suivi de très près aussi ça pour nous. Jean-Aubert. Gain à nouveau Jean-Robert Philippe, toujours Jean-Robert Philippe, qui a suivi pour nous et dossier ça, qui est un dossier brûlant, côté que président Vladimir Poutine, pour faire la première rencontre avec Joe et Biden. Donc, en aller avec le reportage Jean-Robert Philippe là, sous et dossier ça. Attention, observateur, tourné dans la ville de Genève, en Suisse, côté président Joe Biden, a rencontré le président Vladimir Vladimir Poutine dans le premier sommet en deux dirigeants mondiaux. Jusqu'avant la rencontre, le leader américain a été parlé avec le leader de l'OTAN, avec l'objectif de renforcer l'alliance militaire 30 membres nord qui m'a connu l'Europe avec l'Amérique du Nord. Especially at a time when authoritarian regimes like Russia and China challenge the rules-based international order. Secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, parlait pour dire, spécialement dans un moment côté régime autoritaire tant que la Russie et la Chine a défié le principe de base l'ordre international. Le président Biden a utilisé rencontre lundi avec le leader de l'OTAN, avec mardi avec alliés européens, pour un support allié pour confronter Pékin avec Moscou avant ce mercredi 16 juin. Russia and China are both seeking to drive a wedge in our transatlantic solidarity. Président Biden déclaré la Chine et la Russie a cherché à créer division dans solidarité transatlantique là. Nous constatons une augmentation dans l'activité cybernétique, mais alliance là gagne une fondation jam. Pendant que allié d'accord, yo de camper ferme contre activité Moscou a mené tant attaque cybernétique, chercher déranger élection dans l'autre pays avec ambition pour étendre territoire. Cependant, il y a moins de consensus parmi alliés sur façon pour confronter la Chine. Le président français Emmanuel Macron parlait pour dire
Il est économique, il est stratégique, il est de valeur, il est technologique. Il est stratégique, il est important, il est technologique. Il n'y a pas de plan pour détourner l'attention, quelle que soit la façon. L'OTAN déjà a un petit défi. L'idée européenne est unie pour accueillir l'engagement que le président Biden prend pour le multilatéralisme après 4 ans de doctrine ancien président Donald Trump plan que les États-Unis d'abord. Le président Trump a même qualifié l'OTAN comme une organisation qui n'est pas à la mode encore, sans oublier critique qu'il fait pour dire États-Unis paye trop l'argent dans l'alliance là. C'est l'Allemand Angela Merkel déclaré, nous allons mettre sous pied un nouveau chapitre avec le nouveau président américain Joe Biden. Qui te fait remarquer le clair depuis le commencement, États-Unis prend un engagement clair avec l'OTAN. L'alliance là a adopté plan l'OTAN 2030 là. Il y a un mécanisme de consultation pour confronter la compétition mondiale qui a augmenté avec une menace imprévisible tant que la pandémie avec le changement climatique. Là. There are still contentious issues on the table, and this summit Alice Billon, Galan, qui travaille dans Chatham House, parle pour dire toujours il y a une question difficile sur la table. Sommet ça, c'est des points de réflexion, démarrage, processus là, qui permettent à l'IO d'accord pour renouveler le concept stratégique comme feuille de route, ça, vous voulez réaliser ensemble. L'idée est de discuter avec les soldats américains en Afghanistan d'ici 11 septembre 2021. Le président Biden a rencontré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Relations entre deux pays ont mis au mi-bas, surtout après le gouvernement Ankara acheté système missile défense russe S-400, support Libye, Azerbaïdjan dans la guerre Nagorno-Karabakh 2021 avec Arménie, sans oublier offensive militaire dans Syrie. L'idée américain qui a préféré avec sommet, il va participer avec le président russe Vladimir Poutine mercredi 16 juin, dit leur habitué jouer boule. Monsieur Poutine, c'est un adversaire qui mérite aussi de parler avec lui. Eh bien, j'entendais là, donc le président Biden parle en compte ça. Il y a deux supports jeunes. D'abord, un support parmi les leaders du groupe G7, donc l'OTAN. Et puis, alliés européens et autres qui ont un support que l'on a bien besoin pour la faire face, l'on parle en compte avec le président Poutine, pour côté dans ce premier sommet qu'elle a fait depuis la montée du président américain. Donc, c'est deux supports qu'il a besoin parce qu'il a garanti qu'il a couru pour faire face avec la Chine et tout à fait un seul pour faire face avec la Russie. Merci parce qu'on t'a suivi avec attention et merci pour fidélité ou avec patience. Moi, pralé, m'a quitté non bra papa bon Dieu parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah, la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde, non pas M. Foucault. N'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir, à la prochaine. Ciao, ciao. M'ramasse paquet, moi. Cause, habitant pas misé la ville. M'pralé. Mais, m'a quitté non bra papa bon Dieu parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger ou, bah, la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a pas croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.